Salut à tous à toutes, c'est Génétique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Beaucoup demandée. C'est comme j'avais fait sur FUT 15, le zéro de collectif. Donc, en passant une petite liste pour les joueurs d'achat-revente, voilà, parce que voilà, j'ai utilisé des joueurs que j'utilisais pour l'achat-revente. Donc, pas la peine de vous la présenter, je pense. Vous connaissez à peu près tous les joueurs. Voir tous les joueurs. Pourquoi j'ai mis Castano Gol? Parce que 1m84. Et pourquoi j'ai mis et Doumbia en défense? Parce que 91 de vitesse, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc allez, on va lancer. Donc c'est pas un match en division, hein, parce que quand même pas, ça va. Je suis pas fou. C'est un match simple. Un match amical simple. Donc, on se rappelle que la dernière fois, donc sur FUT 15, j'avais gagné par rage quit. Et oui, l'adversaire avait rage quit. Et, alors, juste avant que je parle, constatons son équipe. Ok, alors une coréenne. Une équipe coréenne. Avec, sauf Leonardo, je crois qu'il s'appelle comme ça, le milieu gauche. Mais sinon, va falloir faire très, très, très gaffe à la vitesse. Parce que les joueurs comme ça, je pense qu'ils manquent pas de vitesse. Donc, moi, on m'a dit que le collectif c'était important sur FUT 16. On va voir. On va voir, donc attendez, attendez, parce que si je mets un but sur coup franc. Putain, mais. Pas celui-là que je voulais. Hernanes, voilà. Si je mets un but sur coup franc avec zéro de collectif. Oh. C'était pas passé loin. C'était pas passé loin. Je voulais pas la mettre là, la balle, mais c'était pas passé loin. Yes! C'est bon, allez, 1-0. C'est bon, je suis libéré. Ah ben voilà, Casillas, normal. C'est pour ça que j'ai mis un goal en FC, je crois. Voilà, pour ça. Pour les centres et pour les corners. Voilà, ça fait 1-0. Putain, mais si je gagne. Waouh, si je gagne. Si je gagne par rage quit, par contre, on en refait un. Bon. Fallait pas s'enflammer trop vite. Et merde, hors-jeu, putain! Par contre, c'était très très. C'était même trop trop stylé ce qu'il a fait. Mais malheureusement, il y avait hors-jeu. Allez, prends-la. Bien joué! Waouh, goal expérimenté. Oh le mec il t'a fait une frappe. Il t'a fait une frappe et c'est ça s'est transformé en passe. C'était tellement violent. C'était tellement violent mais c'était beau parce qu'il n'y avait pas hors-jeu. Regardez, il t'a fait une frappe et en fait c'était une mini passe en profondeur, on va dire. Bon, au moins il y aura des buts dans ce match. Au moins il y aura des buts. Oh, dommage. C'est parti en pleine lucarne, c'était magnifique. Garde le même. Ah non. Oh là 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 là. Oh, dommage, Casillas, il avait une bonne frappe. Oh, d'accord. Waouh, Casillas, la frappe qu'il a. Bon, en même temps, il est goal, c'est vrai, mais. Aussi, il a une tête. Bon, putain. C'est vrai qu'il est petit, Casillas. J'aurais dû prendre un autre goal. Ah ouais. Ouais.
Waouh! Truc, le goal, enfin le goal, le goal a même pas bougé. C'était violent. Bon, la défense met quand même 3-1, tu sais. Et j'ai tiré beaucoup plus de fois que lui. Enfin, beaucoup. Un tiers, quoi. Première impression, c'est dur. C'est dur, mais ça, je pense que vous le voyez. Hernanès! Oui! Yes! Allez, ça fait deux! Ça fait deux! Il en reste encore un! Pour faire 3-3. Donc, pour égaliser. Allez! Mais je vous jure que, même contre une équipe comme ça, une équipe coréenne, c'est vachement dur de jouer. C'est super dur. Parce que les. Voilà, ben voilà, justement. Les passes, ça les fait pas où tu veux. Donc, c'est un peu de chance et du hasard, surtout. Ah, dommage! Non, c'était trop beau pour être vrai. C'était trop beau pour être vrai. Il a fait un arrêt, il a pas pu en faire deux, quoi. Déjà, je suis fier de lui. Il a fait deux arrêts dans le match. C'est pas rien. Pour un défenseur, c'est pas rien. Après, pour un goal. Mais les gars, c'est quoi votre délire de quitter à la fin? Meilleure note, Casillas. Castagne, il a fait 4 arrêts quand même. Il a fait 4 arrêts. C'est quoi leur délire en fait? Du coup, là, j'ai gagné. Comprends rien. Donc dites-moi si vous voulez un deuxième épisode avec des autres joueurs. Je compte sur vous dans les commentaires. Et puis donc première impression, c'est très 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 dur de jouer avec une équipe avec zéro de collectif. C'est très dur. Deuxième impression, acheter Castan pour le mettre au goal parce que ça en vaut la peine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Vous connaissez. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. C'était Génétique et peace!